Un, deux, un, deux. Et je fais un test de micro. Un, deux. Là, j'ai un nouveau micro installé par mon fils hier. Dites-moi si vous m'entendez bien. J'ai aussi apporté une collection de sérums. Oups. Ce sont nos sérums qui sont en spécial aujourd'hui. M'entendez-vous bien? Un, deux, un, deux, un, deux. Et je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Je sais que... Ah, merveilleux, super. Alors, mon volume est au maximum. Donc, peut-être ajuster le vôtre, là, si, sur votre écran. Donc... Je peux peut-être aussi, c'est pas très joli dans la caméra, là. Donc, mais comme ça, oui, j'ai passé par le logiciel, c'est pas moi qui l'ai installé, c'est mon fils. Donc, voilà. Est-ce que, donc, voilà, super. Je peux aussi l'augmenter apparemment là, en bougeant, mais en mettant mon doigt dessus. Ah, voilà, là, il est au maximum. C'est juste pas très joli dans l'écran. Si je le pousse comme ça, j'aimerais ça. Et si je fais ça comme ça, là, c'est mieux. Est-ce que vous m'entendez? Bon, super. Donc, nos sérums sont en spécial aujourd'hui. Y a tellement... Plus nos directs sont populaires, plus il y a des intrus. Et ça me fatigue. Donc, je demande à quelqu'un de les supprimer. Donc, nos sérums sont en spécial aujourd'hui. Merveilleux. Peut-être qu'il faut que je parle aussi. Je ne sais pas. Mais si vous m'entendez, c'est ce qui est important. Puis je ferai des tests demain. Mais là, je ne voulais pas. Dans l'image, ça me va aussi. Moi, j'en profiterai aujourd'hui. Tu sais, tous nos sérums sont en spécial. Notre collection de classiques. Pas le sérum Magnolia, mais tous les autres, le sérum or, l'élixir à la myrrhe. Sont en spécial. Donc, moi, j'en profiterais si j'étais vous pour aller chercher ceux-là. Je vais vous donner les prix. Alors, sérum or est à 146 et c'est celui que je vais porter ce matin. Je n'ai pas fait mon rituel encore. Merci, Marie-Andrée. Super, qui me dit qu'on entend très, très bien. Je suis en train de devenir professionnelle. J'ai une caméra et j'ai un micro. Donc, le sérum or est à 146 et 40 au lieu de 183. Ce sérum, c'est de l'orfèvrerie, fait à la main, comme tous nos sérums d'ailleurs. Celui-ci demande beaucoup de temps. Jonathan adore c'est comme des boules pour lui là, de Noël. Là. Il adore les... À chaque fois qu'il voit le sérum, il va le bouger. Avec ce sérum, vous allez retrouver un éclat, une lumière, une peau tonifiée. Il est magique. Donc, et pour toutes les peaux sensibles, même les peaux qui ont de la rosacée, l'ont utilisé pour voir une différence sur le rosacée, imagine. Et toutes les petites imperfections, imaginez, pas imagine, mais imaginez, toutes les petites imperfections qu'il peut y avoir. Je me souviens à l'époque, quand on a sorti ce sérum, des femmes qui avaient des petits boutons, des petits trucs, ce sérum faisait une différence. Nos sérums sont d'excellents anti-âge, mais évidemment, on peut les utiliser à partir de, t'sais, de 17 ans, 18 ans. Souvenez-vous de Charlotte qui utilisait le sérum chanvre. Les sérums chanvre pour les peaux grasses, pour les peaux qui ont des boutons, mais je vais y arriver.
Donc, ce sérum, tu sais, allez-y, on en a en quantité, on en a fait. Ça fait des semaines qu'on a quelques personnes qui sont là-dessus parce qu'il faut les faire à la main. Donc, c'est unique dans le monde. Jamais vous n'aurez cette richesse et cette densité d'or dans le sérum. Et il y a un effet thermique qu'on ressent davantage peut-être quand on est dans un soin, puis qu'on a notre soin aux feuilles d'or, là, en salon d'esthétique. Mais vous allez sentir, en tout cas, cet effet-là sur la peau est extraordinaire. Non, le sérum Magnolia n'est pas dans les spéciaux. Donc, c'est vraiment notre collection de classiques qui est à l'honneur aujourd'hui. Le neutre, le sérum neutre, et j'y arrive, et je vous ai déjà tout mis dans la description. Le sérum neutre va convenir aux peaux sensibles, aux peaux fragilisées, irritées, aux femmes enceintes qui ne veulent pas porter d'huile essentielle. Moi, enceinte, je portais sérum rose. Pour mes 3 grossesses, j'ai porté ce sérum. C'est même pendant mes grossesses que j'ai fait un virage vers le naturel pour ne pas mettre de fragrance, pour ne pas mettre de perturbateurs endocriniens. Donc, mais on a quand même le sérum neutre sans huile essentielle, mais qui est doux, extraordinaire pour la peau et qui va convenir aussi aux peaux fines qui manquent de gras comme la mienne. L'élixir à la myrrhe. Allô? Oui, c'est merci Lise de le signaler si vous avez des taches. Ce sérum, c'est notre sérum qui fait disparaître les taches. L'or, par ce côté-là, tu sais, c'est vraiment un sérum qui. Comment dire? C'est comme. L'or, c'est comme s'il y avait un petit aspect, je ne veux pas dire vibratoire dans le sens de vibration, mais il décristallise ce qui est en place. Donc, pour les taches, pour les personnes qui ont perdu la vie dans la peau, qui ont des peaux ternes, grises, qui ont eu des traitements durs pour le système immunitaire, je revois de ces femmes que j'ai rencontrées, par exemple. Bon, oui, masque de grossesse et ce sérum a fait des merveilles. Dans certains cas, c'est pas disparu à 100%, mais à 80%, si bien que les femmes, tu sais, peuvent sortir sans maquillage, elles sont super heureuses, tout ça. Ça convient aux hommes aussi. Mais là, je parle des taches qui embarrassent des fois certaines femmes. J'ai rencontré aussi une femme qui avait eu de longs traitements de chimio, de radio, puis ça avait vraiment influencé négativement sa peau. Et elle m'avait dit que c'est ce sérum qui avait redonné l'éclat qu'elle avait avant. Donc, vous allez voir, je vais l'utiliser. Et si ça coupe, je crois que c'est un problème de tablette ou je ne sais pas trop. Il faut aller sur l'ordinateur, Ghislaine, ou le téléphone, ou je me souviens plus, mais ça vient pas d'ici. Ce sérum, oui, il convient aux peaux fines. C'est ce que je vais mettre aujourd'hui, Francine. Donc, c'est le summum des summums dans les sérums. Là, je commence par lui parce que plusieurs attendent ce spécial pour l'avoir. Bon, alors, et l'élixir à la myrrhe, est-ce qu'il est là? Oui. L'élixir à la myrrhe, lui aussi fabuleux sur les taches. L'élixir à la myrrhe, c'est notre défripant. C'est lui qui va faire pour les peaux matures, pour les peaux irritées matures, pour les peaux sensibles. Et là, vous avez, tu sais, vous avez l'or. Il y a quelque chose dans la symbolique de cadeau de Noël et tu sais, qui est assez fantastique avec la myrrhe justement dans l'élixir à la myrrhe, l'or dans le sérum A. L'élixir à la myrrhe fait des merveilles sur les rides, sur les peaux qui sont, tu sais, qui tiennent moins bien. Donc, c'est pour les peaux matures et ça sent divin, mystique. Donc, l'élixir à la myrrhe est à 107 $ au lieu de 134 $. Sérum jasmin rose, puisque vous me l'avez demandé aussi.
Donc, c'est sur les tablettes que ça coupe. Il faut alors aller sur le téléphone. Donc, Huguette, vous utilisez et appréciez beaucoup l'élixir à la myrrhe, j'imagine. Ah, merci Sonia qui dit, lorsque ça coupe, on peut reculer le vidéo de quelques secondes et ça règle le problème. Merci. Alors, le sérum Jasmin Rose, c'est mon sérum en hiver parce qu'il est plus riche que sérum rose et Neroli. Donc, et je vous ai encore une fois spécifié, bon, sérum or pour tout le monde, toutes les peaux. Même les peaux plus jeunes peuvent très bien utiliser l'or parce qu'il va aller s'occuper des imperfections, comme je vous ai dit. Il donne de l'éclat, tu sais, un teint à la peau extraordinaire. Je vais l'utiliser, vous allez voir. L'élixir à la myrrhe, davantage pour les peaux matures. Et comme je vous l'ai dit, c'est pour moi un défripant. Maintenant, Jasmin Rose, c'est un sérum riche qui convient aux peaux qui manquent de gras, qui sont déshydratées, qui tirent l'hiver. Sérum Jasmin Rose est tonifiant pour les peaux aussi atones, donc qui manquent de tonus, qui tombent. Sérum Jasmin Rose, grâce à sa triade, jasmin, rose, romarin, on sent l'effet tenseur sur la peau. On voit évidemment aussi l'effet tenseur sur la peau. Et il s'occupe de différentes couches sur la peau et jusqu'à profondément venir régénérer, restructurer, parce que les différentes huiles utilisées dans ce mélange, donc il y en a 9 huiles végétales de prestige, vont être assimilées à différentes couches de la peau. Donc, extraordinaire, c'est mon sérum de base du matin et du soir, le sérum Jasmin Rose. Il est à 80 et 80 au lieu de 101 $. C'est avec. Oui, on peut utiliser l'élixir à la myrrhe à l'année longue. Absolument. Nos sérums, ce sont nos sérums. Oui, ce sont les cadeaux des rois mages. Ben, l'encens avec le magnolia, on l'a, Judith, mais ça sera. En tout cas, bon. Donc, j'espère, je ne veux pas parler de d'autres choses que ce qui est là. Donc, mais oui, vous avez l'or, vous avez la myrrhe avec l'élixir à la myrrhe. L'encens se retrouve dans le sérum magnolia. Bref, nos sérums s'utilisent, et c'est ce que j'utilise matin et soir. Donc, c'est vraiment notre soin quotidien. Et oui, et plus on les utilise, plus les effets sont aussi durables, plus on voit. Je pense que Nathalie est un exemple. J'espère que je le suis aussi. Ça fait 20 ans que j'ai utilisé pendant 16 ans le sérum à la rose. Après ça est arrivé le sérum Jasmin Rose qui convient mieux à ma peau en hiver. Le sérum à la rose, je ne le changerai pour rien au monde dès qu'arrive le beau temps. Et c'est ce que je vous écris dans la description. Si vous allez en voyage cet hiver, vous n'avez pas de meilleur avant et après soleil que le sérum à la rose ou le sérum Neroli. Le sérum à la rose va aussi convenir aux peaux plus grasses en hiver. Il va être parfait. C'est un régénérant, le sérum rose Neroli. C'est la même catégorie, c'est la même formule végétale. Ce sont des régénérants. Si vous avez besoin de la rose musquée, c'est ce qu'elle fait sur la peau. Elle revitalise la peau. Donc, et vous avez, si vous êtes amoureux de la rose, vous êtes allez-y avec la rose. Le Neroli, c'est la fleur d'oranger. Il y a ce côté aussi élastifiant là, pour la peau, mais le Neroli a un feeling rajeunissant aussi. Combien de temps un sérum est bon si vous le conservez bien? 2 ans, t'sais, deux ans. Mais le sérum rose et Neroli, t'sais, 1 an, je vous dirais, tous les autres, et à cause de la rose musquée qui est un puissant antioxydant qu'on utilise vierge, frais. Tous nos sérums sont frais. Mais ça s'oxyde plus facilement ce sérum. Donc, dans le cas de la rose et du Neroli, tu sais, vous pourriez en prendre pour l'été prochain sans problème. Il va être très bon si vous voulez ne pas prendre de chance. Vous pouvez les mettre au frigo, mais ce n'est pas nécessaire. Sérum or va se conserver 2 ans. Et jasmin rose aussi, élixir à la myrrhe aussi, sans problème. Et les chanvres aussi. Oui, le sérum or, c'est le soin exceptionnel. Il a été atténué une tache brune sur la joue due à des lunettes. Oui, quand on porte des lunettes solaires, ça vient faire un reflet. On a tendance à avoir des taches.
Quand je veux faire disparaître mes taches, justement, dues aux lunettes de soleil, je vais utiliser mon sérum or quelques semaines, puis c'est parti. Les taches, il faut comprendre qu'il y a une racine, ce n'est pas qu'à la superficie de la peau. Donc, on utilise et le sérum or va éliminer ce qui est à la surface de la peau. La racine va arriver aussi, tu sais, après quelques jours là, à la surface de la peau. Et c'est à ce moment-là que la tache est complètement disparue. Donc, ça prend quelques semaines pour ça. Voilà. Ensuite, donc, le sérum jasmin rose, parfait pour les peaux fines qui craquent l'hiver. Vous allez adorer, c'est mon sérum jasmin rose, c'est mon sérum l'hiver. Le sérum rose, c'est mon sérum l'été. Donc, le sérum neutre, c'est le même, a la même formule végétale que le sérum jasmin rose, mais sans huile essentielle. Donc, pour toutes les personnes qui sont vraiment irritées, t'sais, sensibles, pas nécessairement, parce qu'encore une fois, le sérum or va convenir aux peaux qui ont de la rosacée, selon vos témoignages. Il faut que je vous dise quelque chose sur les sérums roses aussi, et j'ai oublié de le spécifier. L'élixir à la myrrhe, il est merveilleux pour les peaux justement qui sont sensibles. Le sérum rose, ouvrez vos oreilles, toutes les personnes qui ont de la rosacée, de la coupe rose, selon vos témoignages, c'est ce sérum qui a fait en sorte que c'est soit parti ou de beaucoup diminué. Selon vos témoignages, on n'a pas d'allégation thérapeutique pour nos sérums beauté. La rose agit sur les rougeurs qui sont là. Donc, c'est le sérum à choisir, même si vous avez une peau fine. Donc, c'est parce que le sérum jasmin rose ne fait pas ça. Les résultats qu'on a eus sur la rosacée et la coupe rose, selon vos témoignages, encore une fois, depuis 2014, on cumule là, 9 ans d'expérience sur la rosacée et la coupe rose avec le sérum rose. Comme si votre peau elle est fine, fragilisée, c'est souvent le cas dans le cas de. Vous allez juste mettre une doudou après, comme une mousseline ou un beurre de karité. Mais utilisez le sérum à la rose. C'est lui qui fait des merveilles selon vos témoignages. Il ne sera pas suffisant. Vous allez devoir rajouter, tu sais, j'ai un beurre comme l'apaisant et protecteur que j'utilise pour mes mains. On en met un petit peu. On se met une doudou pour la peau après si on a le sérum à la rose. Mais c'est pour les peaux plus fines. Lynn qui dit oui, ma coupe rose qui a disparu. Oui, c'est bien de changer de sérum de temps en temps. Profitez-en aujourd'hui. Odette, je suis tout à fait d'accord. Cela étant dit, j'ai vécu pendant 16 ans avec mon sérum à la rose, uniquement. Hiver comme été. Et l'hiver, je mettais un karité vanillé en plus. Donc, parce que je n'avais pas d'autres alternatives, je n'avais que le sérum à la rose. Alors, pour les sérums chanvre maintenant, et comme je vous ai écrit, offrez le sérum chanvre et vétiver aux hommes. T'sais, faites-moi confiance, il est exquis. Et il n'y a rien comme le vétiver sur la peau, je trouve, d'un homme. Ça sent si bon. Notre vétiver est le même vétiver. Nous avons le même distillateur que Guerlain qui l'utilise, la même huile essentielle pour le parfum vétiver duquel je raffolais avant d'avoir le nôtre. Et selon notre collaborateur, tu sais, qui justement nous approvisionne de ce vétiver, notre parfum vétiver est-ce que je dirais dépasse, ou en tout cas, évidemment, c'est la même huile essentielle que le parfum, mais nous n'utilisons que du naturel. Ce vétiver est incroyable. Tellement, tellement, tellement bon sur la peau, anti-âge aussi. Et si vous cherchez un cadeau à offrir à un homme, le sérum chanvre et vétiver, oui, vous pouvez aussi l'utiliser si vous êtes une femme. Et plusieurs femmes volent le sérum chanvre et vétiver à leur mari. Plusieurs hommes volent le sérum à la rose à leur femme. Donc,
T'sais, et le sérum or aussi, encore une fois, les hommes l'apprécient énormément. S'ils sentent, d'ailleurs, oh, il y a de la myrrhe dans le sérum or. Donc, vous avez myrrhe et or. Donc, mais je pense que je vous l'ai écrit, là, offrez le sérum vétiver, chanvre et vétiver. Et oui, pour les peaux grasses, le sérum chanvre, grasse et irritée. Sérum chanvre et vétiver, chanvre et chrysanthème. Le chrysanthème, ça sent propre. T'sais, je ne sais pas, c'est comme c'est l'emblème des geishas. Donc, on avait fait comme le yin et le yang avec le sérum chanvre et vétiver, et chanvre et chrysanthème. Mais encore une fois, tous nos sérums sont unisexes. Aucun ne convient qu'aux femmes ou qu'aux hommes. Mais on avait fait le penchant. Donc, on a le sérum vétiver incroyable, encore une fois, à se rouler par terre. Et ça, tu sais, ça reste. Tu sais, Sylvain, ce matin, s'est mis le parfum Champaka. Et il y a un oiseau qui vient de se cogner dans la vitre. Il en met sur ses vêtements. Ça sent si bon. Donc, tu sais, ne vous. C'est pas parce qu'un sérum est à la rose qu'il ne convient pas aux hommes. Tu sais, tout dans ce règne végétal convient à tout le monde. Oui, le sérum vétiver, c'est comme une odeur, wow, c'est une racine hein, qui nous ancre et qui nous assoit dans cette espèce de force et sur la peau, c'est... Donc, vétiver est mon parfum, oui. Alors, voilà, Louise, pour un homme à la peau qui est rougie, tous les hommes qui se rasent ont une peau irritée. Parce que raser la peau à tous les jours, c'est irritant. Donc, c'est pour ça que les sérums chanvre calment la peau. Donc, des peaux irritées des hommes, le sérum chanvre et vétiver. Souvenez-vous de Charlotte, les peaux acnéiques sont aussi irritées, inflammées souvent. Donc, ces sérums conviennent merveilleusement parce que le chanvre calme la peau. Le chanvre qui est vert vient juste être un baume. Et en même temps, on a une espèce d'équilibre avec les... Parce que quand on a une peau grasse, il ne faut pas l'irriter davantage parce que les peaux grasses irritées sécrètent du sébum. Donc, on empire la situation. Si on calme avec des huiles, les glandes arrêtent de sécréter du sébum. On retrouve de cette façon-là un équilibre cutané. Donc, n'ayez pas peur des sérums. Les sérums chanvre, pour les peaux grasses, 2 gouttes suffisent. Donc, vous allez faire 6 mois avec un sérum. Mais en même temps, vous allez pouvoir l'utiliser si vous commencez à avoir des rides ou tout ça. Au contour des yeux, je vous l'ai spécifié aussi dans mon texte. Les sérums, nos sérums, conviennent le matin, le soir. Contour des yeux, vous n'avez pas meilleur anti-âge que ça. Joanne a beaucoup de compliments avec le vétiver, je comprends. Pour une peau très sensible, Marie-Pierre, le sérum neutre. Le sérum neutre. Pour les peaux, tu sais, quand on a une peau très sensible, on ne veut pas. Je recommence ma formulation. Les huiles essentielles sont des actifs. On ne peut pas avoir plus actif qu'une huile essentielle. Chaque huile essentielle a des centaines de composantes pour booster l'anti-âge, le tonus, resserrer les pores, atténuer les taches. Donc, tout ce qui est huile essentielle, quand on a des concentrés d'huile essentielle, on ne peut pas plus travailler l'anti-âge que ça. Avant de booster ou de tonifier ou de travailler la peau, on veut la calmer. Ça ne sert à rien de stimuler la peau si elle n'est pas d'abord calmée. Donc, on commence par le sérum neutre. Et après ça, on peut ajouter l'élixir à la myrrhe aussi fait des merveilles, là, mais moi, j'irais avec le neutre sans huile essentielle. Déjà, vous avez une formule végétale qui s'occupe de toutes les couches de la peau. Donc, c'est par ça que je commencerai. Mon numéro 3. Le peu de boutons et peau grasse. L'huile nettoyante convient très bien en sérum pour les peaux jeunes, Nadine. 24 ans, moi je trouve,
C'est parce que le sérum chanvre et vétiver sent tellement bon que je n'hésiterai pas à l'offrir. Tu sais, ce n'est pas trop jeune, 24 ans, pour utiliser un sérum. On peut utiliser l'huile nettoyante qui sent si bon, tu sais, je vous dirais, dans 14, 15 ans, quand notre peau cherche son équilibre. Mais à 24 ans, tu sais, 2 gouttes de sérum chanvre et vétiver sur la peau, c'est vraiment, je ne sais pas comment vous dire cet effet-là que ça a, mais c'est comme un parfum de peau aussi en même temps. Il y a quelque chose de vraiment très accrocheur. Et les huiles essentielles séjournent aussi avec nous. T'sais, là, j'en ai pas parlé encore. J'ai parlé de chacun pour que vous puissiez bien choisir, mais les huiles essentielles pénètrent dans notre circulation sanguine et certaines, comme la rose, vont séjourner avec nous jusqu'à 3 jours. Elles font partie de nous. T'sais, donc, il y a un effet vraiment du vétiver sur la prestance, sur la confiance, à ne pas sous-estimer. Moi, je trouve que c'est d'un chic, c'est un parfum subtil sur la peau, mais je n'hésiterai pas à l'offrir. T'sais, ce n'est pas trop jeune. Comme une jeune femme qui a envie d'un sérum or, par exemple, à 17 ans, je n'hésiterai pas à lui offrir non plus. On n'en met pas des pipettes comme moi, je vais le faire. Là, j'ai hâte de faire mon rituel. Mais, tu sais, 2 gouttes. Et le sérum, tu sais, moi, si je mets, je pense, c'est 7 à 9 gouttes, puis ça me dure 3 mois, tu sais, imaginez, ça va durer 9 mois, une bouteille. Là, et ça va faire la différence, autant sur la peau, parce que, comme le disait Nathalie hier, on peut aussi prendre notre hydratant ou notre mousseline ou peu importe et rajouter 2 gouttes de sérum dedans pour aller chercher les actifs. Donc, qui vont faire en sorte que notre peau. Et nos sérums, là, et je ne l'ai pas écrit, mais nos sérums outillent la peau pour qu'elle sache se régénérer, se lutter contre les agresseurs. Donc, c'est vraiment comme. De la même façon que je vous parle des nutriments, des suppléments, pour comprendre l'interne, des vitamines, des minéraux, les sérums pour la peau, c'est le même, sert le même langage. Donc, on outille la peau. Vous allez voir qu'au début, notre peau a soif parce qu'elle n'est pas habituée à cette qualité végétale, cette nutrition, mais après, vous avez moins besoin d'en mettre. Et vous outillez quand même votre peau à lutter contre la pollution, à se régénérer, à rester jeune, à garder sa lumière, son teint, les pores resserrés. Donc, tout ça, tu sais, c'est vraiment très intelligent. Mes 3 sérums préférés, or, jasmin rose, chanvre et chrysanthème, pour ma peau mixte. Il y a ça aussi. On peut utiliser, par exemple, si on a le thé plus grand, on peut l'utiliser que à l'extérieur, utiliser l'huile nettoyante sur la zone plus grasse, puis un sérum plus riche sur le reste de la peau à quelques gouttes. Ça me fait plaisir, Jean-Philippe, de te lire. Ça fait deux, trois fois. Oui. Je me suis procuré le sublimateur il y a quelques jours et hier le phytocomplexe, ce sont des hydratants. Oui, on termine par un sérum. Je vais vous faire mon rituel beauté. J'ai nettoyé ma peau, d'accord, avec l'huile nettoyante. Je vaporise l'eau florale. Je vais utiliser le phytocomplexe qu'on vous a offert hier, oups, en spécial. Donc, c'est un hydratant que je donne à boire à ma peau. Oui, avec des anti-âges et cellules souches de pomme, du collagénaire, de lupin, mais principalement, je donne de l'eau à ma peau, une eau de qualité, une eau florale avec de l'acide hyaluronique pour maintenir l'hydratation et après ça, toutes sortes d'essences extraordinaires. Et je termine par un sérum. Donc, de cette façon-là, avec mon hydratant et mon sérum, je reconstitue le film hydrolipidique
qu'on a naturellement quand on est jeune et qu'on perd avec le temps parce que les céramides à la surface de la peau se désorganisent. Elles manquent d'acides gras essentiels. Les acides gras essentiels, on ne les fabrique pas. On doit les donner à notre peau. À partir de 25 ans, on commence à en manquer. Donc, on les redonne à la peau sous forme de sérum. Je mets évidemment le sérum or pour vous montrer. Et de cette façon-là, les céramides à la surface de la peau peuvent créer, on le voit, vous voyez, c'est comme c'est magique, magique, peuvent créer la barrière qui empêche la déshydratation de la peau. Nos sérums nourrissent les céramides et de cette façon-là, les céramides, pensez aux céramides comme un mur de briques. À partir de 25 ans, ils commencent à avoir le ciment entre les briques, ça s'affaiblit, il y a des trous, donc l'eau s'évapore. On donne des acides gras essentiels aux céramides, donc les huiles végétales qui sont assimilées par la peau. On a des enzymes à la surface de la peau. Nos huiles végétales sont comprises, assimilées, digérées, si vous voulez, par la peau. Les céramides peuvent alors recréer un mur sans trous dedans pour garder le pulpe, l'hydratation, le confort de la peau. Tout ça, donc ça c'est l'aspect céramide, mais vous avez après ça tous les actifs dedans pour travailler le tonus, à travailler en profondeur, pour aller garder, maintenir la peau en place. Vous avez l'effet sur les taches, l'effet sur les pores. Et même dans le sérum à la rose, à l'époque, quand on l'avait, tu sais, quand j'ai commencé à vous en parler en 2014, moi ça fait depuis 20 ans que je l'utilise. Mais juste avec lui, on avait un effet sur les taches parce que dans chacun de nos sérums, vous avez de l'oléorésine de romarin, qui est un puissant antioxydant. Vous avez des tocophérols, tocotriénol, la vitamine E aussi puissante antioxydante. Et avec elle, vous avez des effets sur les taches pigmentaires. Et à partir du moment où on voit à l'équilibre de la peau, bien, nos pores peuvent se vider, se resserrer, se tonifier. Tu sais, c'est pas les pores qui se tonifient, mais en se resserrant, la peau se tonifie. Donc, et vous, chaque peau qui commence avec notre sérum, notre rituel beauté, retrouve sa lumière, son éclat. La grisaille se chasse. Les peaux ternes, c'est fini. Et souvent, souvent, ce qu'on reçoit comme commentaire des personnes qui commencent avec nous, voilà ce que notre peau a toujours cherché. Notre peau ne cherche pas des crèmes parce que les crèmes du commerce, les crèmes que vous trouvez, contiennent trop d'ingrédients qui ne servent pas la peau. 95% du contenu de la peau sert le pot, reste à la surface de la peau, s'accumule. Vous avez des dérivés de pétrole, vous avez des fragrances, vous avez des agents de conservation, vous avez des agents émulsifiants. C'est en grande quantité. Vous allez avoir 4-5 agents émulsifiants, 4-5 agents de conservation, des fragrances, des dérivés de pétrole, des silicones, tu sais, tout ça pour avoir un effet lissant sur la peau, mais qui n'agit pas, qui ne pénètre pas dans la peau. Donc, vous avez comme une plaque sur la peau, rien qui nourrit la peau. Vous allez avoir, tu sais, vous allez avoir comme à un moment donné un actif dans la liste d'ingrédients, vous allez avoir un actif pour la peau. C'est rien. Ici, c'est 100% de nourriture assimilée par la peau. Donc, c'est pour ça que on l'applique, on fait, ah, je ne me sens plus plaquée. Et toutes les personnes qui hésitent, qui viennent chez nous, puis vous voyez la différence. Et je fais mon rituel depuis 20 ans. Vous allez avoir une différence plus flagrante. Moi, je le fais, mais je suis toujours heureuse matin et soir. À chaque fois que je fais mon rituel, puis je fais comme, oh, wow! C'est comme l'effet que je recherche est là, à chaque fois. Et se maintient aussi dans le temps. Voir, tu sais, j'ose même pas imaginer ce que je serais sans tout ça. Tu sais, c'est sûr que ma peau serait pas aussi bien définie, l'ovale dessinée. Je l'ai vu, tu sais, récemment avec justement ce que j'ai ajouté à ma routine, comme le phytocomplexe et tout ça. Les gens qui ont peur des huiles viennent essayer dans nos maisons. Vous pouvez le faire. Venez dans nos maisons, sinon faites-moi confiance. Il n'y a personne qui est déçu. On commence et on se nettoie avec l'huile, puis on fait comme, oh, wow! Tu sais,
On sent que ça fait du bien à la peau. Après ça, on vaporise l'eau florale. Tout le monde aime ce geste. On en met, on en met, on en met. On hydrate directement. On fait comme, enfin, tu sais, ma peau avait soif. Et on termine par notre sérum. Et là, on fait, waouh, OK, je ne me sens pas plaqué. Je sens que tout pénètre dans la peau. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on cherche. Voilà. Pour resserrer les pores de peau, tous nos sérums, Nathalie, sont extraordinaires. On a des témoignages pour les pores resserrés avec chacun. Je vous dirais que ce qui est important, c'est de bien vidanger les pores. Si c'est des pores qui sont ouvertes parce que la peau tombe, là, à ce moment-là, le sérum jasmin rose, parce qu'il est plus tonifiant. Mais si c'est des pores dilatés parce que trop de sébum, chanvre et chrysanthème ou chanvre et vétiver, mais assurez-vous aussi de bien nettoyer avec l'huile nettoyante pour liquéfier le sébum et prenez l'Exfo Pur en masque. L'Exfo Pur, l'argile, vidange les pores de peau. Donc, à ce moment-là, après ça, on applique un sérum et les pores peuvent se refermer parce qu'elles sont vides. C'est tout à fait logique. Pour les peaux avec rougeur, Judith, sérum rose. Sans même hésiter. Voilà. Aucun de nos sérums ne sert de protection solaire. Ce n'est pas ça que je vous ai dit. Je vous ai dit, le sérum rose est un excellent avant-soleil parce qu'il prépare la peau. Il outille la peau en vitamines et en enzymes qui protègent la peau. Mais ce n'est pas une protection. Il outille la peau au soleil. Il y a une richesse en carotène qui fait en sorte que. Il y a une étude qui démontre qu'en prenant, c'est bête, là, mais des lycopènes de tomates sous forme de canne, là, tu sais, une pâte de tomate, 1 à 2 cuillères, je pense, par jour, on peut s'exposer, je crois, 4 fois plus longtemps. Donc, si notre peau rougissait, est-ce que c'est 4 fois? Il me semble que le facteur de protection solaire interne est augmenté de 4, mais il faudrait retourner voir l'étude. Mais c'est juste pour que vous compreniez. Donc, si on pouvait être, t'sais, 10 minutes au soleil, mais on peut l'être davantage en mangeant des lycopènes de tomates. C'est pour ça que dans notre sélénium, j'ai mis des lycopènes de tomates, entre autres, pour augmenter ce facteur de protection solaire interne-là. Nos sérums sont riches en carotène et il y a des études qui démontrent que d'appliquer des carotènes sur la peau peut aussi augmenter le facteur de protection solaire interne. Ce n'est pas une protection solaire. Et en après-soleil, la rose musquée est géniale pour régénérer la peau et la richesse en carotène, encore une fois, vient pallier à la vitamine qui est utilisée pendant qu'on est au soleil. Il y a une vitamine qui protège notre peau. Et il n'y en a plus à la fin de la journée. Ben, c'est pas qu'il n'y en a plus, mais elle est réduite. On doit la redonner à notre peau. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ce sont des excellents avant et après-soleil. Ce ne sont pas des protections solaires. Lequel serait le meilleur? Lequel sérum est le meilleur? Moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, d'en profiter avec le sérum or ou l'élixir à la myrrhe. Le sérum or. Tu sais, l'élixir à la myrrhe, il est spécifique aux peaux matures. C'est un défripant qui sent la myrrhe. Tu sais, faut aimer la myrhe. Ici, il y a aussi de la myrrhe dedans, mais ça sent davantage. C'est tellement subtil et doux et merveilleux. Ça sent délicat. Ça sent, tu sais, comme c'est angélique comme odeur. Donc, je vous dirais qu'on ne se trompe pas avec le sérum or, mais ce n'est pas le meilleur. Ils sont tous excellents. Si vous utilisez le Naturépil, on l'utilise toujours après une épilation et vraiment localement.
Vous pouvez alterner entre le néroli et la rose matin et soir, ou aller vers une autre version végétale. T'sais, si vous avez le sérum néroli, moi j'irais peut-être avec un autre sérum pour bénéficier de d'autres huiles végétales comme le sérum neutre. Là, je ne sais pas si vous voulez prendre un autre sérum aujourd'hui, Judith, ou si vous avez déjà les deux, ou si vous avez les deux à la maison, oui, vous pouvez alterner. Matin et soir, on va vers le sérum qui nous tente. La livraison par la poste n'affecte pas les produits avec le froid. Il n'y a aucun problème. Pensez à une huile comme une huile d'olive qui va geler un peu. On va le voir là, que c'est gelé, mais pas gelé, gelé, mais l'huile est moins liquide. C'est la même chose avec nos sérums. Le froid retarde le vieillissement des sérums. Si vous avez Solange, donc vous avez le phytobaume de l'hiver dernier, peut-être le mettre dans une eau chaude pour le liquéfier. C'est une magnifique promotion aujourd'hui. Pour ceux qui hésitent encore, laissez-vous tenter par l'expérience unique des sérums de haute qualité MJ, c'est une belle occasion pour faire vos cadeaux. Merci Stéphane. Ils sont vraiment des incontournables. C'est le cœur de notre entreprise et ils sont imbattables. Et je vous dirais même, dans le monde, aucun sérum naturel dans le monde, et évidemment aucun sérum qui n'est pas naturel, ne bonne ou n'arrive à la cheville de nos sérums. Regardez tout simplement la liste des ingrédients. Vous allez le voir. Nous ne travaillons qu'avec des essences nobles, des matières de la plus haute qualité. Il n'y a pas d'ingrédients de remplissage. Je ne l'ai pas vu nulle part. Dans les maisons en France, et c'est pour ça que les clients français viennent nous voir, nous. Aux États-Unis, il y a une compagnie aussi naturelle qui vend son sérum 5 fois notre prix et il y a de l'huile de tournesol dedans. On est dans une catégorie à part, je vous dirais. T'sais, y a pas, et c'est pour ça que je ne suis pas vraiment dérangée par toutes les copies de Maison Jacinthe ou les personnes qui vont carrément jusqu'à acheter notre sérum et enlever l'étiquette et le prendre en photo pour le mettre sur leur site et en l'offrant en précommande sans même l'avoir fait encore. C'est tout un savoir-faire, là. Un sérum or, ça ne se fait pas comme ça. J'ai très hâte de voir le résultat parce qu'il y a un savoir-faire. Tu sais, Nathalie a 40 ans d'expérience. Il y a les matières dedans. On ne peut pas utiliser n'importe quel or, évidemment. La qualité de nos huiles, elle nous est réservée. Personne ne peut avoir nos huiles essentielles. Personne ne peut. Ça, à part Chanel et Guerlain, mais eux ne mettent pas que ça dans leur sérum, dans leur formule. Je pense pas qu'ils ont des sérums. Donc voilà, tu sais, je suis pas. Grâce à notre envie d'avoir le meilleur et à nos demandes, tu sais, d'aller voir nos fournisseurs, de dire je veux le meilleur et pas donne-moi une lavande à tel prix. Je me suis jamais assise devant un fournisseur. Avec cette approche-là, ça a toujours été je veux le meilleur. Donc, c'est là où on en est aujourd'hui. Et ça fait la différence sur la peau. Donc, et oui, nos prix sont très justes. Et aujourd'hui, profitez-en. Je veux dire, c'est incroyable. Tu sais, d'avoir le sérum or à 146,40 au lieu de 183. L'élixir à la myrrhe à 107,20 $ au lieu de 134 $, et nos autres sérums à 76,80 $ pour les sérums chanvre, 64,80 $ pour le sérum chanvre et vétiver. C'est incroyable. Le sérum neutre, 74,40 $ si vous connaissez quelqu'un qui est enceinte ou qui allait, ou sérum jasmin rose, 80,80 $. Et les roses, j'ai pas vu, rose, rose, rose. 76,80 $. C'est, je veux dire, donc oui, profitez-en et
Ma rosacée est disparue grâce à vos sérums. Donc, j'imagine Chantal avec le sérum rose. Le sérum Neroli, pour quel type de peau? Les peaux plus grasses, avant et après soleil, merveilleux. Jean-Philippe qui dit, I'm all in. Je vais juste aller voir si c'est une très, très bonne idée, Jean-Philippe. Et oui, c'est profitez-en parce que nos livraisons sont gratuites avec un panier de 90 $ au Canada. Et FedEx Outre-mer, on paye la moitié. Ça vaut vraiment la peine. Tu sais, si vous êtes en France, en Suisse, en Belgique, peu importe où dans le monde, oui, peut-être vous joindre à d'autres copines, copains, collègues pour faire une commande groupée. C'est notre rêve de pouvoir vous l'offrir, mais on n'est pas là au niveau de la programmation. Mais vous pouvez le faire entre vous pour assumer les frais de livraison à deux, trois personnes et ça vaut vraiment la peine. Cette qualité n'existe pas nulle part. Pour une amie enceinte, le sérum neutre. Merci, merci. Sylvie qui nous dit qu'on est. Merci pour tous vos cadeaux, c'est magnifique. J'aimerais en essayer un nouveau. Michel qui utilise le sérum rose et jasmin rose. Pour peau mature, moi j'irais. Michel, j'en profiterais aujourd'hui avec le sérum or ou l'élixir à la myrrhe. Mais. Je pense que l'élixir à la myrrhe est plus caractéristique, ça sent vraiment la myrrhe. T'sais, si vous êtes dans cette ambiance-là, le sérum or, vous ne vous trompez pas, vous allez être charmé, renversé par ses effets. Pour les activités extérieures, Carole, le sérum le plus riche, c'est le jasmin rose ou le sérum neutre. Moi, Sylvie, si vous pouvez vous le permettre, là, à 134 $, je le répète, là, son prix, le sérum or, est, non, 146,40 $, le sérum or. Si vous pouvez vous le permettre, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui veut vous offrir un cadeau, moi, j'irai vers lui en troisième sérum si vous avez déjà rose et néroli ou chanvre et vétiver. Sinon, j'irai vers le jasmin rose sans hésiter. C'est mon sérum d'hiver. Moi, je mets toute une pipette, vous avez vu, mais une peau plus grasse va mettre deux gouttes. Voilà. T'sais, donc, c'est comme ça que. Louise qui dit, vous êtes vraiment à part. Je suis dans les produits depuis plus de 30 ans comme esthéticienne, massothérapeute. Bravo, bravo, bravo. Merci. Merci beaucoup. Et je regarde si vous avez une autre question. Je voulais faire ce cours. Pour Marie-Jeanne, si vous avez 48 ans et une peau sensible, j'irai avec le sérum neutre pour commencer, le temps de calmer la peau. J'adore l'élixir à la myrrhe. C'est vrai que les hommes aiment l'élixir à la myrrhe, Stéphane. C'est mon incontournable. Je rêve d'un format plus grand. OK. Merci. J'espère que j'ai fait le tour, j'ai répondu à vos questions. Allez voir, je vous ai mis les caractéristiques pour chacun. Mais de base, là, je vous dirais, vous ne vous trompez pas en allant avec votre instinct. Qu'est-ce que vous aimez? Imaginez jasmin, rose, romarin. Imaginez néroli, la fleur d'oranger. Imaginez que la rose. Imaginez le vétiver. Imaginez le chrysanthème qui sent propre. Je ne sais pas comment le dire, là, mais chrysanthème, C'est sûr que, tu sais, là, d'habitude, je parle pas autant du sérum or, mais je sais qu'on en a fait une bonne quantité, donc on est OK pour vous le proposer. Tu sais, souvent, c'est que ça demande tellement de temps, chacun fait à la main, comme de l'orfèvrerie. Tu sais, c'est extraordinaire. Tu sais, ça ne se fait pas dans une machine. Ça demande énormément de temps. On en a, donc je vous dirais, tu sais, si le budget vous le permet, c'est assez unique et grandiose comme expérience. Bonne journée et à demain.